La crème brûlée. La crème brûlée ou crème caramélisée est un dessert du XVIIe siècle. Il est composé de jaune d'œuf, de sucre, de crème, de vanille et de caramel. L'origine exacte de la crème brûlée est inconnue. Ce dessert est mentionné pour la première fois en 1691 dans un livre du chef François Massaillot. Les ingrédients pour 8 personnes. 40 centilitres de lait, 60 centilitres de crème, un gus de vanille, de la cannelle, 1 cuillère à café de zeste de citron, 1 cuillère à café de zeste d'orange, 8 jaunes d'œufs, 115 g de sucre glace, 40 g de maïzena et 45 g de sucre roux en poudre. D'abord, taillez le zeste de citron et d'orange et coupez la gousse de vanille en 2 tranches. Mélangez le lait avec la crème et ajoutez la gousse de vanille, la cannelle, le zeste de citron et d'orange. Faites cuire le mélange. Quand le mélange commence à bouillir, baissez la température et faites bouillir encore 5 minutes. Ensuite, mettez le mélange dans la passoire et faites refroidir. Mélangez le jaune d'œuf avec le sucre et battez le mélange pendant 5 minutes. Après, ajoutez la maïzena et battez le mélange. Ensuite, ajoutez le mélange de lait et de crème et mélangez lentement. Préchauffez la four à 160 degrés. Versez le mélange dans une casserole et mettez dans le four. Faites chauffer le mélange pour 10 minutes. Mais la crème ne doit pas bouillir. Après, remplissez le tasse avec de l'eau et versez le mélange dedans. Posez le tasse sur un plat, ajoutez de l'eau dans le plat et faites cuire pendant 25 minutes. Après, faites refroidir le dessert. Enfin, allumez la grille dans la four. Saupoudrez de sucre roux en poudre sur le dessert et mettez le plat dans la four pour caraméliser le sucre. Bon appétit!